Il me semble que Owen et Fourier sont au fond plus soucieux du bonheur des gens. Le bonheur, ce n'est pas une chose qui passionne tellement les Saint-Simoniens. Eux, harmonie, bonheur, un peu clôture aussi, désir de régler les conflits dans des petits groupes, dans des petites sociétés. Ils ont peur du nombre qui va perturber. Qu'est-ce que c'est au fond qu'un phalanstère? C'est le palais où habite la phalange, aurait répondu un fourriériste en tournant en rond. C'est vrai que c'est ce bâtiment qui reprend très grossièrement un petit peu les formes du palais de Versailles. Hein. Donc une espèce de bâtiment un peu en forme de papillon. Donc qui est à la fois un lieu de vie, hein, et donc il y a chez les fourriéristes, chez les owenistes, un désir direct d'améliorer les conditions de vie de tous. Le confort. Le confort. Hein. Ce sont des gens qui, voilà, comfort, ils sont vraiment, ce sont les premiers à dire ce qui peut paraître révolutionnaire, je crois, à l'époque. Tout le monde doit pouvoir avoir une pièce par personne. L'idée de l'intimité aussi, surtout pas vraiment des collectivistes. Hein. L'idée que dans une famille, il faut que chacun ait une place à soi. Hein. Donc on vit en collectivité, mais on privilégie les micro-espaces. Oui. Alors, par rapport à la structure de l'habitat, en particulier populaire, et même d'un bourgeois parisien, il vit dans un espace très réduit. Donc, du confort, du chauffage. Hein, on insiste beaucoup sur l'aération. Ils sont naturellement héritiers des lumières, de tout le courant aériste et hygiéniste. Hein, donc, il faut que l'air circule, qu'il y ait de la chaleur, de l'eau chaude. Et puis, donc, un espace de vie, de vie privée, de vie collective, avec la mutualisation des services. Hein, donc, la pensée économique de Fourier est relativement, on va dire, sommaire. Et l'idée, il vaut mieux faire la cuisine pour 250 personnes que 250 fois la cuisine pour une personne, ce qui est bon. On retrouvera d'ailleurs dans des projets russes. Enfin, il y a tout un héritage du phalanstère, donc dans les premiers habitats collectifs de la révolution russe. Oui. Et puis, en fait, le troisième élément, c'est aussi un lieu de travail hein, qui est fondamental, et c'est le lieu de toute la vie sociale, puisqu'on doit avoir la vie culturelle et la vie, on dirait professionnelle, mais Fourier ne penserait pas à ça, puisque lui, comme il fonctionne, ce qui est à l'origine de son projet, c'est l'idée que la science, qu'il prétend être la science sociale qu'il découvre, c'est l'idée qu'il aurait mis à jour les 12 passions qui régissent l'âme humaine, et que le phalanstère est le lieu dans lequel ces passions pourraient se mettre en mouvement. Parmi ces passions, il y a des passions comme la passion intrigante hein, qui pousse les gens à vouloir avoir ce qu'ont les autres, la passion papillonne qui pousse les gens à vouloir changer. Hein, il y a des choses très, très intéressantes, et le phalanstère, c'est un lieu où la même personne, selon ses envies et selon les moments, aurait envie d'être un savant ou un agriculteur ou un artisan. Oui. Hein, en définitive, la ville se dissout dans des communautés de petite dimension. Ils n'aiment pas trop la ville, ce n'est pas vraiment des penseurs de la ville, me semble-t-il, je ne sais pas. Alors, j'ai une question. Oui. J'allais dire, ce qui me pose problème, c'est le pluriel de votre phrase. C'est-à-dire que Fourier, de toute évidence, il déteste la ville, et il pense que son modèle d'organisation, ça serait une sorte de maillage relativement régulier du territoire mondial, avec des phalanstères de petite taille reliés les uns aux autres. Bon, il imagine de temps en temps une structure un petit peu hiérarchique, hein, une capitale mondiale à Constantinople, et puis des métropoles un petit peu régionales, mais ces capitales n'ayant que des fonctions de nœuds de réseau, ce ne serait pas plus importante numériquement. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté aussi, elle ne serait pas plus importante numériquement, elle ne regrouperait pas plus de... Il devrait y avoir que très peu de monde dans ces villes. Très peu de monde, alors, le problème, l'intérêt chez Fourier, c'est qu'il y a une espèce de superposition de textes différents, parfois contradictoires. Et l'un des textes où il aborde le problème urbain, c'est un texte qui n'a été publié que tardivement par ses disciples en 1849, si je ne m'abuse. C'était l'architecture des villes. Voilà, qui a été publié sous le titre « Les cités ouvrières ». Et là, qui préconise alors un plan intermédiaire. Parce que Fourier, à la fois, dit que du jour au lendemain, si on crée le phalanstère, le monde sera bouleversé, mais il prévoit aussi des phases transitoires. Hein, donc là, la période qu'il appelle garantiste, une espèce de mixte, là est une ville qui regroupe encore des populations importantes et qui
qui préfigure quand même beaucoup de, d'éléments d'aménagement urbain. Oui. C'est en ça que ces disciples vont un petit peu s'emparer de cette tendance-là, pour ensuite, eux, promouvoir un discours franchement penser de réforme urbaine. Davantage. Pensez, penser vous citez par exemple un certain Pérémon, et le texte de Pérémon est en, un texte qui est en prise directement sur la ville, davantage. Un projet vraiment global, et qui, sur, même pas sur la ville, sur une ville, sur Paris. Sur Paris. C'est un projet de, vraiment global de refonte. Quelques années avant Haussmann. Bon, on n'est pas le seul, il y en a eu d'autres, dans d'autres mouvances, mais là, il y a une série d'articles que Pérémon, donc un personnage qui n'est pas très très connu, qui reste obscur, on pense qu'il est polytechnicien, donc j'ai toujours pas eu le temps d'aller chercher un petit peu des choses. Pour vérifier son... Et qui est une figure marquante, hein, qui est un petit peu l'expert urbain du mouvement fourriériste, et qui publie à la fois dans la Démocratie Pacifique, qui est l'organe du mouvement fourriériste, le quotidien fourriériste, et dans la revue générale d'architecture et des travaux publics de César Daly, dont on parlait tout à l'heure. Cet homme qui a été homme qui du saint-simonisme au fourriérisme, fourriériste saint-simonisme, c'est pas trop. Et où il dresse vraiment un véritable programme de rénovation totale. Urbaine. Et alors les saint-simoniens, qu'est-ce qu'ils pensent de la ville? Ont-ils une pensée sur la ville? Ils ont une pensée sur la ville. Je dirais que le saint-simonisme est un mouvement qui s'intéresse énormément à la ville. Enfin, il y a ce que j'appellerais une pensée de la métropole, une pensée de l'intensité urbaine, une pensée de la complexité urbaine. Enfin, les villes sont censées être là aussi des nœuds de réseau, mais ce sont aussi les phares de la civilisation. D'où toute cette idée extrêmement forte que l'avenir est un avenir dans une large mesure urbain. Ils ont l'amour des villes. Ils ont l'amour des villes, oui. Et à commencer par Paris. Bon, je dirais au texte de Pérémon, on pourrait opposer ou on peut le compléter par ce très beau texte de Charles Duverrier, Le Paris des Saint-Simoniens, publié dans le livre des 101, qui décrit le Paris transformé par les saint-simoniens. Ils ont l'intérêt aussi du saint-simonisme et d'articuler une poétique de la ville avec, j'irais, toute une réflexion technique sur les réseaux, sur la nécessité de repenser le maillage urbain, sur la nécessité, là aussi, des choses qui annoncent à certains égards l'haussmannisation, ne serait-ce par exemple que dans le refus du quadrillage uniforme, dans la pensée simultanée du réseau et du monument. Donc finalement, toute une pensée urbaine qui, je crois, reflète un moment tout à fait important de passage des idéaux urbains du 18e, du désir d'une ville machine, d'une ville parfaite, à une ville qui serait à la fois organique et sophistiquée d'un point de vue technique. Enfin, il y a le désir, finalement, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont constamment, se réfèrent constamment au Moyen-Âge, à cette espèce d'organicité et d'unité de la culture et de la société. Qui ne rejettent pas du tout. Qui ne rejettent pas du tout. Et d'une certaine façon, c'est un nouveau Moyen-Âge industriel dont ils rêvent. D'où le désir de réconcilier cette beauté, ce pittoresque de la ville ancienne, c'est des contemporains de Hugo aussi, avec la modernité technique, et qui marque finalement l'ensemble de leurs textes. Oui. Ils aiment le tortueux, ils aiment s'insinuer dans des lignes courbes, et ils rêvent moins de détruire les villes, encore que les fourriéristes comme les saint-simoniens ont été conscients que Paris, ça pourrait pas continuer comme ça. Le centre de Paris était quand même compliqué. Il faut pas oublier quand même qu'il y a l'épidémie de choléra. 1832, ça les marque beaucoup. Ça les marque énormément. Oui. L'épidémie de choléra est un très grand choc. C'est un événement. Un événement pour... sanitaire énorme. Absolument. Et finalement, je pense que les uns et les autres essayent de penser quelle est la portée de cet événement. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir des villes? D'où effectivement la nécessité de régénérer le centre, qui est, je crois, une problématique commune aux deux mouvements, qui s'exprimera ensuite pas de la même façon chez les uns et chez les autres. Donc il y a finalement toute cette pensée d'une ville qui serait à la fois radicalement transformée et néanmoins identique à elle-même. Donc une espèce de paradoxe chez eux. Il me semble que chez les fourriéristes, il y a davantage de plans un peu quadrangulaires avec... un désir d'aérer, enfin tout au moins Pérémon, alors que les saint-simoniens, tout très soucieux aussi des problèmes de communication, voudraient préserver le charme. Oui, et à la fois l'efficacité technique. C'est-à-dire que, pour moi, les saint-simoniens permettent de comprendre une chose qui n'est pas, évidemment, qu'on juge naturelle aujourd'hui, mais qui n'est pas tant que ça. C'est pourquoi l'haussmannisation ne s'est pas faite en suivant une grille.
On n'a pas étendu Paris au 19e comme Manhattan, enfin comme New York, en fonction d'une grille. En fait, on a recherché des tracés qui, effectivement, auraient une qualité esthétique et pittoresque, mais également seraient plus efficaces. Il y a une espèce de pensée étonnante du lien entre le pittoresque et l'efficace. Oui. Parce que ça permet de mieux circuler. Chose dont on retrouvera des traces jusque dans les couloirs du métro. Les couloirs du métro, avec leur sinuosité, en fait, ont des côtés... on retrouve... C'est une pensée d'ingénieur, finalement. C'est-à-dire, la grille, c'est pas efficace. Voilà. Oui. On pense à Walter Benjamin, plus tard, qui a reprouvé beaucoup des idées des Saint-Simoniens, dans le fond, un peu, et un peu des fourriéristes, mais plutôt des Saint-Simoniens. C'est vrai que les fourriéristes étaient peut-être beaucoup moins sensibles à la poésie de la ville. Le plan de Pérémont, je crois qu'il démolissait encore plus de bâtiments que Kaufmann ne l'a fait dans l'île de la Cité. Donc il y avait un côté très, très radical. Au moment où il y a des commentaires qui sont faits dans la presse fourriériste sur les écrits de Victor Hugo, par exemple, hein, qu'on appelle le poète ruinard. Hein, et donc, on a un côté beaucoup plus moderniste, tout en critiquant le modèle de la ville en damier, hein, qui est pour Fourier, les villes américaines sont le symptôme même de l'échec de la civilisation. Hein, parce que des passions, quand ça se croise en angle droit, ça ne peut pas marcher. Oui. On peut pas aboutir à une harmonie s'il n'y a pas justement des courbes et des... Je crois que l'un et l'autre, vous nous avez rendu très présents, très sensibles, ces auteurs qu'on relit, je crois, aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs signaler d'autres livres, celui par exemple d'Olivier Pétré-Grenouillot, Saint-Simon, l'utopie ou la raison en acte, qui est paru chez Payot en 2001, et puis Émile Témim, un chapitre seulement, un rêve méditerranéen des Saint-Simoniens aux intellectuels des années 30 qui vient de paraître chez Actes Sud. Et bien sûr, je rappelle les titres de vos livres à vous qui étiez là ce matin, Antoine Picon, Les Saint-Simoniens, Raison, Imaginaire et Utopie, qui vient donc de paraître chez Belin. Frédéric Morel, Les Socialistes et la Ville, Grande-Bretagne, France, 1820-1850, à l'École normale supérieure de Fontenay. Je vous remercie l'un et l'autre de votre présence et de nous avoir rendu si vivants ces auteurs oubliés et que l'on redécouvre aujourd'hui. Merci.